Yolo, Nanyang, j'espère que vous allez bien. On est dimanche soir et aujourd'hui on va aller dans un de mes endroits préférés à Séoul. Vous allez voir, c'est une petite surprise. Pour tout vous dire, j'avais tourné la vidéo la semaine dernière, j'avais vraiment fait des plans sympas. Voilà, j'ai été aidé pour faire la vidéo. Et bah en fait j'ai perdu toutes les vidéos que j'avais fait sur ma carte mémoire. Voilà, j'ai dû la formater chez moi parce qu'elle ne marchait plus sur mon ordinateur. Donc aujourd'hui on retourne la vidéo, on va aller à Hongdae. Voilà, c'est là où se trouve l'endroit préféré, en tout cas l'un de mes top 3 des endroits préférés à Séoul. On y va, c'est parti. Juste à Hongdae University, c'est vraiment à une station de chez moi, j'ai pas envie d'y aller en marchant, on prend le métro, c'est pas cher, on est fainéant, mais on y va. Juste à Hongdae, on marche tranquillement vers l'endroit que je veux vous montrer. Vous allez voir, c'est vraiment un des top endroits où aller, surtout si vous avez faim. Petit indice, si vous avez faim, c'est à peu près à 5 minutes de marche de la sortie 9. Donc on va marcher, on va vous présenter un petit peu Hongdae, voilà un peu ses alentours, avant de rentrer directement dans l'endroit sélectionné. Et vous allez voir, vous allez kiffer. Alors le restaurant se trouve juste à 3 minutes environ d'ici. On va passer par une petite ruelle assez sympa avec plein de petits magasins, des petites choses à manger, du street food. On va vous montrer ça avant d'aller directement au restaurant. Un peu bizarre, non? Ah, YouTube, oh, pardon, oh. Alors on se retrouve juste ici, c'est un petit stand à couper, on vient manger ici tous les vendredis soirs, c'est vraiment sympa, c'est dans la petite rue, en même temps que le musée Trick Eye Museum. Venez manger un petit coup, le poulet est génial. Et ça, ça va être quand même fait attendre. Alors on est bientôt au resto, vous voyez,
y a vraiment beaucoup de magasins autour, des restaurants, des street food, tout ce que vous voulez pour manger, pour vous habiller ou pour boire. Et vu qu'on est dimanche soir, eh bien il y a beaucoup beaucoup de monde. Ça a l'air bon ça. Mais on mange pas là ce soir. Alors comme point de repère, le restaurant se trouve entre le Aura et le Cocoon, qui sont deux clubs les plus connus à Hongdae. On est vraiment à une minute du restaurant, on y va. Voici le Aura, le Cocoon et le restaurant se trouve juste ici. Alors on se trouve juste au restaurant, ça s'appelle le Hana Twitty Chip. Vous allez voir, c'est un des restaurants les meilleurs pour le samgyeopsal, qui est l'aliment numéro 1 pour moi en Corée, le meilleur, celui que vous devez absolument manger si vous venez à Séoul. Allez, on y va. Bienvenue. Au restaurant, et la première chose à faire, et eh bien c'est d'utiliser ces petites choses. Alors ça ressemble à des aspirines, mais ce n'en est pas. Ceci n'est pas à manger. Non, vous allez voir, je vais verser de l'eau dessus et magie. Alors, ce ne sont pas des petites aspirines, c'est simplement un petit tissu pour se laver les mains avant de manger. Ils sont forts ces Coréens. L'hygiène avant tout. Tous les restaurants coréens, lorsque vous asseyez, vous emmènent un tas de plats. Alors, comme d'habitude, du petit kimchi. On a un peu une petite sauce, un peu d'ail, du sel et du yoinnamul. Donc ça se mange avec le samgyeopsal, avec la viande. C'est un délice. Il y a énormément de restaurants samgyeopsal à Séoul, vous avez vraiment des premiers prix. Alors, ce que vous avez pu voir dans ma vidéo à Sincheon, il y avait des samgyeopsal à 5000 won, donc vraiment 4 euros. Et ici on est dans un service un peu plus haut de gamme, on a des samgyeopsal environ à 12-13 000 won. Vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait le serveur va cuisiner pour nous. Dans les autres restaurants, c'est nous qui devons cuisiner la viande, et là vous allez voir, c'est vraiment quelqu'un qui est dédié à ça et cuisine tout pour nous. Nous, ce qu'on a à faire, c'est juste manger. Ouais. 삼겹살하고 갈매기살 그리고 콜라 두 개하고 공깃밥 두 개 맞습니다.
ici on a du samgyeopsal qui est un peu comme la ventrèche française, on a du kalmegissal, on a fait cuire un peu de kimchi, enfin il nous a fait cuire un peu de kimchi, on va manger tout ça, ça a l'air délicieux, comme on dit en coréen, machiketam, bon appétit. Voilà à quoi ressemble du samgyeopsal, ça a l'air d'une grosse ventrèche qu'on coupe en petits morceaux, et ça c'est ce qu'il y a de plus délicieux en Corée. Un peu de sel. Délicieux. Alors je vais vous montrer comment on mange vraiment du samgyeopsal en Corée. Vous prenez une petite feuille de salade. Petite salade simple. Rien de bien anormal. Vous prenez votre petit morceau de samgyeopsal que vous trempez soit dans de la sauce, soit dans du sel. Personnellement, moi, je préfère le sel. Tchoum tchoum tchoum. Hop, vous posez ça sur votre salade. Vous rajoutez un petit morceau de kimchi. Ensuite, si vous le voulez, vous rajoutez un peu de légumes, tout ça, tout ce que vous voulez. Ensuite, un petit peu de riz. Pas trop, sinon ça cache le goût. De la viande. Et là, le but, c'est de plier tout ça et de tout mettre dans votre bouche en un coup. C'est délicieux. Il n'y a pas à dire, ce restaurant pour moi c'est le numéro 1 pour l'instant de tous les restaurants que j'ai pu goûter niveau samgyeopsal. Regardez-moi ça. C'est de l'art. Voilà, j'ai dû manger de l'ail à cause d'une certaine personne. C'est délicieux. Ah, on a bien mangé. On termine tranquillement le repas. Je pense qu'on va en avoir pour 26 000, 30 000 won environ. C'est-à-dire, on va dire 22, 23 euros. On est deux personnes, donc franchement, c'est vraiment pas cher. Vous avez quelqu'un qui cuisine tout le temps pour vous. Dès que vous avez besoin de quelque chose, vous appelez, il vous serve. Franchement, ce repas, c'est le number one. Donc on s'en sort pour 32 000 won, ce qui fait environ 27 euros. Pour deux personnes, c'est vraiment pas cher. On est rempli, on a mangé du riz, on a mangé de la viande, on a mangé des légumes, on a bu un peu. C'était vraiment cool. Je vous recommande vivement ce restaurant. Il y en a un à Hongdae, il y en a un à Insadong. Il doit y en avoir d'autres dans d'autres quartiers. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Meitashimasu. Annyeong.